Ah, salut YouTube. Ah, Route 96, la suite. Allez, on vient d'arriver au Biggies. Après 1600 bandes de périple de notre road trip. Let's go. Invisibilité, baisse pouvoir ever. Ouais, non, mais là, j'étais entre tête dans le guidon et tête dans le volant. Désolé. Ah, c'est une voiture immatriculée au Portugal, je reconnais ça. Tu peux grimper là-haut? Pas du tout. Tom. Qu'est-ce qu'on a là? J'ai content d'un téléphone. Mais non. Ah, une autre bagnole. Ah, il y a un code. Avec un coffre. Oh là là. Oh là là, attention, il va falloir partir à la chasse aux informations là. Ok, donc il y en a un, on a un vendeur également ici, on a un petit vendeur itinérant. Dude! What can I do for you, kid? Yeah, CNRC, run. Got it? ASM. Ah, d'accord. Man, you don't stand a chance. D'ailleurs, monsieur, tête dans le volant, les pubs sont partis. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Merde. Désolé, je m'en occupe. Alors. Faut essayer de trouver un code. D'ailleurs, un code. Commander quelque chose. Non, pas maintenant. Faut que je gratte un code. Il y a même deux codes. Eh mais. Me too. But only one of us. Alex. Ah, c'est le nerd du coin. To the gods of Paul. Par contre, si je te plume, je gagne quoi? Isn't it the most beautiful thing you've ever seen? Énorme. Ah ouais, c'est au moins de l'Unreal Engine, non? Minimum. Oh, il est intestable, lui, hein. Hop là. Énorme. Oh là. T'inquiète. T'en mets la même là. Bravo. Oh là 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 là, il l'a rattrapé de justesse. Oh là là, il est intestable. Oh là 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 là, let's go. No one's ever beaten me. I'm gonna need a minute to process this. T'inquiète. Vas-y, remets-toi-en. Oh. Ah, donc manger, ça me remet deux barres de vie. Et boire un seul. Une seule. Ok. Bon, pas de flex, restons modestes. Defeat's hard to swallow. Luckily, burgers aren't. I make games, by the way. I've even sold some to this diner, but they screw me out of my rightful cut. Ah, les fumiers. Yeah, they'll get theirs. Don't worry. Ah bah c'est le moment d'aller choper le code, hein. Il y a le coffre derrière, je l'ai vu. Mm-hmm. Yeah. Be careful with what you eat. Try to avoid rotting food. But, you know. Faute de grive, on mange des merdes, hein, bien sûr, le classique. On mangera mieux si Flores est élu. Ah oui, d'accord, la bouffe moisie sera le terreau de la révolution. Ah, ça y est. Oh. Ça y est, on passe à la synthwave. Let's go! I look like a slot machine to you. Ouais, tu viens de me filer 3 balles. Eh, 3 balles, c'est 3 balles. Hein. Salut! Oh, toi, t'as une tête qui va m'envoyer chier, toi. Gagné. Greg, I know we're all brigades here, but this teen is bothering me. Let's go! Bon, ça a marché une fois sur deux.
est parti où l'autre glandu là? Il est dehors? Ah oui, il est là. The job's simple. There's a room in the back where they keep their cash. Ouais. Should be able to hack in. Exactly, Homeslice. Voilà. Come on. Oh, si jamais on se fait gauler, ça va mal finir. Eh mais le routier, il avait ce tatouage sur le bras. Yo, this digicode is from the age of the dinosaurs. Il avait le même tatouage sur le bras, le routier. Nah, homie. But I got some tech to use on it. One day, scientists gonna study my brain. Oh. Boom. What I tell you. Bien joué-je. Oh. Oh man. Door closed behind us. Gonna re-trigger the digilock. Oh oh. Ouais, et donc? I hear that. Now, let's look for the dough. Bah, je sais pas, il y a un coffre. Ça. A lot of stuff in here. And it smells. Ugh. Adults. Oh. Let's go. Combien? 20 balles. Check the drawers. And the safe too. Duh. Le pays guérit 3 mois après le lâche attentat, le pays sur la voie de guérison, de la guérison. Le mur a été entièrement restauré et Tyrek a augmenté la surveillance à la frontière de façon à ce qu'un tel événement ne se reproduise jamais. Gloire au président et ta mère. Oh, des clés de bagnole! Extraordinaire. On a des clés de bagnole, ça c'est bon ça. Chef des brigades court toujours. Thomas Carson, membre officier des brigades condamné pour activité terroriste, a révélé que le dirigeant des brigades n'a jamais été arrêté et qu'il court toujours. Questionné à son sujet, Carson n'a daigné révéler que ses initiales BW. Hold up. There's an article here on the attack. Les brigades derrière l'attentat, tout laisse penser que le groupe terroriste et des brigades noires est responsable du terrible attentat à la frontière. Le pick-up blanc qui a causé l'éboulement appartenait à Connie Samford, 33 ans, et membre officier de cette organisation. Ah mais Connie, c'est la meuf du routier. Oh d'accord. Oui, parce que membre officiel E2LE. Ah, en 3 ans ça match, ouais effectivement, d'accord, ouais, le pick-up blanc. Ah oui d'accord, donc elle était pas juste bloquée sous l'éboulement en fait. C'est elle qui l'a causé. Enfin tout du moins, c'est pas forcément elle qui l'a causé, mais c'était dans son véhicule. Oh, let's go! D'accord! D'accord, d'accord, d'accord. Ah ouais, ça commence à se préciser un petit peu les histoires, là. Ah yes! Yes, 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 yes. Bodies of certain brigades believed to be at the wall were never found. No way. My bio parents might still be alive. Here, I gotta finish reading. Ok. On peut hacker maintenant. Énorme. Oh. Oh. Oh là là, tant de moulaga. Énorme. Oh oh. I hear someone coming. Hide. Be hella quiet. Ça c'est discret ça. Et comme par hasard, imagine, il fouille direct le placard. Ah si, il cherche tes clés de bagnole, on est marrant. Well, have you been in the back room lately? Looks different, like someone's been back here. Yeah, I'll check. Just give me a second. Bad news, it's empty. Ok, I'll sit tight. Uh-huh. Ok, bye. Oh no, 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 no! Hey, who's in there? Run! Oh oh. Just whatever you took, give it back. It's your lucky day, kid. Get out of here before I change my mind. Alors là, c'est vraiment de tracé, hein. Je me cache, je me cache, je me cache. Je vais acheter vite fait de la bouffe là au vendeur itinérant sur le Teco là et je prends la bagnole et je me barre. Hein. Hey bro! La bouffe. Merci. Je t'achète ta cassette aussi. Révolution 96.
Je sais pas quoi. Ah non, mais du coup, il m'a repris l'argent. Oh, je viens de voir, merde, il a repris le pognon. Ah non! Il a repris la thune! Je peux me faire la caisse? Je peux me faire la caisse? Oh, j'aurais dû venir ici d'abord, ça se trouve, il y avait de la bouffe et tout. Ajouter de la nourriture. Oh merde, on peut mettre de la nourriture en micro-ondes. Pas regarder dans le frigo. $3. Hop, salutations. C'est quoi ça? Une cassette. Hop, bonne nuit, au revoir. Salut, salut. Parce que du coup, j'imagine que c'est même plus la peine que j'essaie de me repointer là-bas. Salut Tyrell. Salut Edway. Ça roule? Repris la moula, cet enfoiré. Ah, puis je peux plus interagir avec. Là, la bagnole, on peut pas forcer le coffre, voir ce qu'il y a dedans. Non. Bon, c'est pas grave, au moins j'ai remboursé ce que j'ai acheté. Alors, je me suis remboursé ce que je viens d'acheter. Non. Attends, c'est quoi ça? Attends. Comment je peux gagner de l'argent? Excellent conseil, mais c'est déjà mis en application, ça. Je peux m'asseoir? Non. Non, 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 non. Ok, 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 ok. T'as toujours les clés? Ouais, j'ai les clés de la bagnole, ouais. Je le vois en haut, y a toujours ça. Appeler chez soi. Ah bon? Bah, je peux appeler ma maman et mon papa? D'accord. Non, vas-y, mais je me casse. Finalement, vaut mieux un 50% de quelque chose que 100% de que dalle, hein. Je me tire. Let's go! Maintenant, la vraie question, c'est savons-nous conduire? Ça, c'est autre chose. Et du coup, le gamin, on le voit plus, lui, il a dit disparu, quoi. Il est plus là. Disparu. A pu, Alex, faut carjacker le distributeur de billets. Ah, s'il y avait un ATM, moi, ça aurait été le moment, ouais. Rain for time. C'est joli, hein, quand même. Un désodorisant signé Petria Motors, unique constructeur automobile de Petria. Petria Motors éloigne des mauvaises odeurs. Ouais, bah ça n'empêche que ta caisse elle pue la merde quand même. Hein. Oh, une barre de céréales. Ah, mais j'aurais voulu la stocker. Dommage. Far From Home. Spider-Man. Une voiture Petria Motors. Des voitures solides pour une nation solide. Bien sûr. Ouais, alors, ouais. Bon, 322 000 km, on sait pas trop. Par contre, bon, je suis pas un expert en mécanique, mais je pense que le fait que le régime moteur ne fasse que osciller entre 1500 et 3000 tours, et que la vitesse ne fait que tourner entre 50 et 60 à l'heure continuellement, je pense qu'effectivement, c'est pas signe que ça marche trop bien, quoi. Voilà. Mon avis. Par contre, il y a la moitié du plein. Ça, déjà, c'est une bonne nouvelle, il y a la moitié du plein. Par contre, bon, ça monte un peu en température, hein. Regardons dehors. C'est joli quand même, hein. C'est joli, hein. C'est joli, c'est joli. Arriver à la frontière dans une bagnole volée, bonne ou mauvaise idée? C'est une idée parmi tant d'autres. C'était la seule du moment. Ah! T'inquiète. De la moulaga. Je peux boire un coup, mais je peux pas le stocker plutôt? Du coup, c'est chiant parce que ça veut dire que j'ai pris ça pour rien. And as a reminder... Never stop to pick up hitchhikers, young or old. They could be dangerous. And that's today's Sonia show. Ok. Salut Oliver. Daniel Gad, Far From Home. Il y a même des titres de... Putain mais... Toxic Avengers Il y a une sacrée BO quand même, hein. Pas mal, pas mal. Bon, au cas où... Oh bah... Ah oui, d'accord. Je fais des 360 degrés sur mon siège. Les tours bilol sur le siège, let's go. Conduire.
Bon, après, j'avoue que me pointer sur une frontière ultra gardée dans une bagnole volée, effectivement, je ne suis pas totalement convaincu du bien fondé de cette idée. Ça reste une idée. Oh non, il mouille. Il pleut, il mouille. Ah, apparemment, le compteur kilométrique est naze également. Ok, let's go. Rencontrer Jarod, mais c'est le chauffeur de taxi! All my cigarettes are wet. Ouais, d'accord. Tu devrais envisager d'en fumer moins de 3 paquets par jour, bro. Une grosse ambiance, hein, effectivement, une grosse ambiance. Hein. Two guys are after me. They've been following me up and down these roads. Stan et Mitch, je présume. And down. I'm starting to think they'll never quit. Donc du coup, c'est un peu chiant parce qu'on a pris un autostoppeur malgré la mise en garde de la radio et tout et tout. They want to put a stop to me. I can't let that happen. That's why I'm out here in the rain and not in my cab. C'est ça. Close. They're too close. I think they're fans of hers. Twisted. Hey, something's wrong with your doors. Uh-oh. Stop what? I wasn't doing anything. Mm-hmm. Apparemment, j'ai pas beaucoup d'autres choix, hein. Ouais, c'est soit je continue à m'acharner sur le verrou de la porte, soit je le dépose. I see you. Bon. Tu prends un mec dans ta caisse, il ferme les portes par la pensée et siffle du classique. Pas ouf l'ambiance, hein. Oui, oui, j'avoue que c'est... Bon, ta gueule. La bagnole qui a fait un stoppie, quoi. Énorme. Ouais, mais il peut pas sortir, les portes sont bloquées. I'm not going to do that. Do you know why? Ah. That's why. Voilà pourquoi. D'accord. Try me. Now drive. D'accord. Super. Ah, l'ambiance vient de changer, là. I've had a really bad day and could use some cheering up. So that's what you're gonna do. Cheer me up. I just wanna have a little chat. So go on. Chat. You don't want to get tired on the road. That's when they, the cops I mean, find you. So I smoke. I smoke a lot. D'accord.
is starting to bore me. Guess it's my turn to ask the questions. Ouais, vas-y, ouais. I'll tell you something else. I've been thinking about killing you. So better give me the right answers. Tell me, do you listen to the news often? Don't lie to me. I bet you were listening just before you picked me up. Ah, l'enfoiré, d'accord, je vois. Tell me something else, and this is important. What do you think about Sonia Sanchez? No, she's a liar. Yeah, something bad. Real bad. I don't want your sympathy. No, all I want is revenge. Because people need to know. They need to know the truth. Because of Sonia, my sweet daughter is dead. She'll pay for that. She'll pay dearly. D'accord. She didn't move a finger to save her under those rocks. Not one. Nor did those brigades. They'll pay too. Stop the car. Decided what I'm gonna do to you. I'm going to let you live. Oh putain. But you're going to give me your car. I can drop you off somewhere if you'd like. It is raining. I'm sure, but don't ask me again. On va peut-être s'aventurer à Yep, hein, je pense. On va le laisser avec la bagnole tranquillement. Et puis voilà. Hein. Je pense que ça me semble tout à fait raisonnable de le laisser comme ça. Hein. Ouais. On va s'aventurer un petit peu dans les contrées sauvages, à quelques centaines de bandes de la frontière. Ah. Petite sueur sur le front, oui. Eh, on a pas mal roulé quand même. On est à 9 bandes de la frontière. Ah ben c'est bien, on a pas mal roulé. Jarod. Ah, lui, c'est... Comment dire? Ah oui, d'accord, en bas, c'est mes skills, en fait. Ah, ok, oui, donc j'imagine qu'il y a la chance, il y a le crochetage. Ah, puis il y a le billet, la carte qu'on pouvait acheter. Ah oui, d'accord. Ah oui, donc ça va être vraiment un jeu, il va falloir refaire des runs, quoi. Il va y avoir de la rejouabilité, quoi. Ah. Vu que c'est déverrouillé, on est bientôt arrivé. Oh, ouais. Il faut rejouer à ce jeu, après. Je vois pas pourquoi tu n'as pas voulu continuer avec lui. Bah, je sais pas ce que ça aurait changé vraiment, parce que du coup, à pied, je m'en trouve à 9 bandes de la frontière. S'il m'avait déposé en bagnole, il serait passé quoi? Il m'aurait peut-être déposé plus tôt, je sais pas. C'est non. Ok. Mais il a l'air sympa comme type, hein. Ouais, il a l'air sympa le bougle, ouais, t'inquiète, ouais, t'inquiète, t'inquiète. Ouais. 5 étoiles sur TripAdvisor, hein, pas de problème. Hein. Je mettrai une bonne note. Hein. Je pense que ce soit le beau-père du camionneur. Avec sa fille morte, ouais, peut-être. Peut-être, peut-être. Oula, oula, oula. Ok. Il va back avec lui, l'eau. Spoiler, c'est toi le steak. Ah ouais, non, 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 non. Il va me bouffer tout cru, il va me foutre au fond de son coffre avant de me bouffer tout cru, et que dalle, ouais. Que dalle, que dalle, que dalle. Hein. Moi, je veux rien savoir. Jean-Michel, je le laisse dans ses délires. Et je me barre. Hein. Disons que ce qui a fini de prendre ma décision, c'est que je me suis retrouvé du mauvais côté du flingue, en fait. C'était un peu compliqué comme situation.
Oh, c'est joli. C'est joli beau. Oh, oh, enfin ouais, c'est bon, c'est un peu dégueulasse, mais oh, c'est joli beau. Dégueulasse, beau, dégueulasse, beau, dégueulasse. Ouais, take a seat. Ah, ma semaine de vacances qui me manquait, elle est là. Elle est là, ma semaine de vacances. Ah, elle est là. C'est beau, putain. C'est beau, c'est beau. Ah, au moins, il est bien. Il m'a pris ni mon argent, ni mes cassettes. Alors, j'ai vu qu'il y avait deux chemins. Il y en a un là. Il y en a un autre là-bas. Ah, celui-là s'enfonce un peu plus dans la forêt. Ah, celui-là va vers la chute d'eau. Ah, mais celui-là, il va vers la chute d'eau, donc ouais, non. Obviously, la chute d'eau. Télé, 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 télé. Oh. Non. Et là derrière, un ours. Imagine. Ni Dieu ni maître. Ok, donc là il y a une grotte, on peut s'en aller. On va faire le tour du lac quand même avant de partir, on sait jamais si on rate des trucs. Alors en fait les deux chemins se rejoignent. D'accord, en fait tu fais simplement le tour du lac. Ah non, genre tu peux... Ah non, là, tu peux pas aller plus loin. Oh, un resto-route. Ah non, pas trop, non. Ah non, les camions ils ont l'air d'être un peu tout cassés. Ce serait pas là le lieu du fameux éboulement? Bon, les deux routes, de toute façon, ont l'air de se rejoindre. Ouais, les camions, ils ont l'air d'être positionnés un peu chelou quand même. Hein. Ah non, d'accord, ça se rejoint pas du tout en fait. Alors, ça se trouve, je dois arriver ici, je dois être bloqué là, quoi. Faut faire le tour après, quoi. C'est joli beau quand même. Hein. La DA est classe. Hein. Et tout ce qui nous manque là, vraiment, pour qu'on puisse vraiment exploiter à fond. L'histoire des cassettes, ce serait un petit baladeur là. Un petit Walkman, un petit Sony Walkman là. Ah, je suis curieux, faut que j'aille faire le tour quand même. Un petit Sony Walkman, ce serait bien là, comme ça on met les cassettes et tout. 1996, ça respecte l'époque. Les Walkman, ça fait déjà quelques années que ça se vend. En plein carton commercial, c'est le moment. Hein. Alors, ça, c'est le chemin d'où on vient. Donc, il y avait ce chemin là. Ouais, puis là ça va arriver en hauteur de l'autre. Ah, c'est même plus court que ça en fait, on se retrouve Keblo. Ah non, c'est ça, ouais, d'accord. Ok. Donc c'est juste le petit moment contemplation. Par contre, j'ai rien à becter. Forcément, j'ai plus mes clés de bagnole. J'ai plus la bectance. Terrible. Mais du coup, c'est bien joli là, l'autre il m'a filé son cocktail détoxifiant là, mais à quel moment je retrouve les ingrédients pour pouvoir me refaire un petit shoot de barre de ville? Tété les tété. Voilà, n'avance pas vers la lumière! Et pourtant. Forcément, il va falloir commencer à serrer un peu les fesses là, j'ai l'impression. Non, pas par là. Obligé de continuer sur le chemin. Longer la route. Eh bien, continuons. Longeons la route. Hit the road, buddy. À 0 km vers la frontière. On y est quoi. Ah, déjà. Ah, il y avait marqué déchargement du niveau précédent et chargement du niveau. Le procédural. Donc on est à la frontière. Mais faut rejouer à ce jeu. Non, faut faire d'autres trucs.
Continuez. Hein. On va on rejoue à ce jeu après. Hein. On continue. Hein. Fait des trucs. Oh, le camtar. Les camtar. Ah mais attends, il y a le... Ah ouais, non. Ah mais là c'est un peu le plan cul, là je suis un ado à la frontière. Comment dire? Les camions sont arrêtés, on va croiser notre bro? Ah je suis pas chaud pour avancer moi. Moi je pensais qu'on... Voilà, on aurait fait, pris une solution de contournement. Plutôt que de prendre la voie officielle. Oh là là. Manchon, hein. Le mégot sur la table, c'est pas génial. Hein. Snacks and drinks? Can I help you at all? Ah, d'accord. Le cochon du bonheur. Merci et bonne chance, Grouic. Je viens de payer 3$ pour un Grouic. Superbe. Vendez quoi? Some items to help you on your journey. Bah 10 balles, vous faites pas chier là? Comment je fais pour traverser? Sorry bro. Ouais. Ouais. Just follow the line of trucks to the gate. I hope you find your freedom, kid. We'll be rooting for you. Ah d'accord. Ah oui, ça c'était que l'envers du... Ah oui d'accord, ok, les miradors, la grosse porte de garde et tout. Ah oui d'accord, ok. Ah oui, il y a d'autres miradors. Ah ouais, ouais. Ah oui, c'est bonne ambiance ici, quoi. Let's go. Ok, bon. À manger. Et à boire. Special 10-year commemoration of the collapse. There's some never before seen footage there. I'm not much for conspiracy theories, normally. I hear there are incriminating government docs out there. If we could just get our hands on those. Ok. Alors. North. Alors du coup, il se passe des choses là, parce que... Tout à l'heure, quand on parlait avec John, le camionneur... Ah, je peux crocheter... Ah oui, mais j'ai... Ah, mais... J'aurais pu me cacher dans un camion si j'avais la compétence de crochetage. Ah, mais je l'ai pas acquis cette compétence là. Ah oui, donc du coup je peux me barrer à Yep. Ou alors il y avait un chemin à gauche là. Mais tout à l'heure, quand on parlait avec John, il livrait des trucs. Il était parti pour livrer des trucs. Cependant je vois pas son camion. Il ressemblait vaguement à ça, son camion, à John là. Qui me prendrait comme autostoppeur. John Wick, John Cena, John McClane. Mais ce qu'il y a, c'est que là, si j'avance, forcé. Forcé quoi? Que là, on a quoi? Il y a un autre choix, mais c'est quoi ça? Do not enter. John? Euder? Non, c'est pas son camion ça. Crocheter. Ah mais je peux pas crocheter tous les camtars, mais forcer. Ah mais c'est forcer, en fait c'est forcer la remorque du camion quoi. Ah ouais, oh là va falloir la jouer fine. Hein. Et quand tu sais pas quel choix apporte quelle conséquence, bah forcément. C'est qui lui? T'es un bro ou tu vas me balancer toi? T'es un bro ou t'es une poucave toi? T'es qui toi? Le camion? Money talks. That's all I'll say. Oh là là, il y a beaucoup trop d'options là subitement qui se présentent là.
Il y a le chemin par la gauche qui avait l'air safe. Derrière moi, il y a un chemin do not enter. Il y a le camionneur qui m'accepte pour 50 balles. Après, ça veut pas dire que ce fumier va pas me balancer dès qu'il en aura l'occasion. Il va se faire un petit pourliche et puis qui dit qu'il sera. Oui, en plus, non, c'est risqué ça. Parce qu'il va se faire un pourliche sur ma gueule. Et en plus, il y a des affiches. Comme quoi, si jamais on croise des ados en fuite et tout, il y a une récompense. Ah non, ça se trouve, ce gros bâtard, il va me balancer quoi. Ouais, non, trop risqué. Que dalle. Donc, do not enter. Mais why? Why oh why do not enter? Quoi le bail ici? Genre le chemin il est surveillé par les miradors et tout? Grimper, passer par le pic. Mais c'est quoi les barres là? C'est la difficulté? C'est la mesure du plan cul qui se dirige devant moi? Là, forcer 2. Est-ce que ça prend en énergie? Ah, c'est mon énergie que ça prend! Ah oui, je viens de voir en haut. Ah oui, ok, d'accord. Ok. Je viens de voir. Là, il y a ce chemin. Oh là, t'es qui, toi? Salut. Whoa, hold up there, kid. Ah, le tatouage! Le logo sur sa veste. Not unless I let you. Maybe I won't. And why should I? Give me a good reason. How do I know? The enemy is getting smarter all the time. Fine. You can go. But I don't like your attitude. Ouais? Ah, je suis assez tenté de continuer dans cette direction. Du fait qu'il a le logo sur son t-shirt qui était le même que le tatouage de John, le camionneur. Et le même logo qu'on a vu sur le... Dans le resto-route, là. Où le mec m'a laissé partir sans me casser les noix, mais juste en me reprenant ce que je lui avais chouré. Hello there. Who wants to know? Maybe I can help with that. The important word being maybe. What the fuck, 50 balles? Ah ouais, d'accord. Ouais, attends, avant de valider un choix qui va me prendre la quasi-totalité de mon pognon, je vais d'abord faire le tour. I don't know if there is a best way. Once a way is discovered, the government adapts. You know what I mean? It's like a nuclear arms race between teens and Tyrak. I don't know yet. Kind of low on cash at the moment. Maybe I'll turn back. Ouais, attends, parce que tout le monde en veut à mon pognon ici, là. I took the offshore worker test. Needless to say, I failed. Lucky for me, they didn't put me up in a cell. And now in the paperwork, maybe. D'accord, donc on peut, il y a un test pour le job de travailleur frontalier dont on nous parlait tout à l'heure. Ok. Hey man, want some advice? Bon. Don't try crossing over the mountain. I saw a guy from the peak one time. He screamed all the way down. And it's a long way down. Just don't go up there, man. Donc ça c'est l'autre chemin. L'autre chemin qui s'offrait à nous. Ok. Hi. See that door back there? Some kids say it leads to an abandoned tunnel. It's rumored you can cross by using it. But maybe it's just a trap. Something Tyrak uses to lure teens to their death. If the shoe fits. Hello, bro. T'es pas causant, toi. Ah, par contre, je peux pirater. Je peux pirater cette porte. Ok, donc là ma compétence de piratage va servir ici. Ma compétence de négo peut pas me servir contre elle. Sinon elle va me pomper 50 balles.
Là, il y avait ça, j'ai tout ça. Ouais, mais ça, j'ai pas. Je sais pas si j'ai intérêt à traiter avec elle ou alors à tenter ma chance en forçant la porte là-bas. Bon, j'ai envie de dire, pour le moment, on s'est démerdé par nos propres moyens. Continuons. Hein. On peut forcer la porte. On l'a piratée. Faut bien que ça serve, ma main de nez. Un main de nez. Il me reste un bonhomme que j'ai pas rencontré. Et j'ai jamais revu les autres après. Pas rassurant. Ah puis c'est no way back. On évite de se casser la gueule, ce serait intéressant. Très rassurant. Ok. Ouais, t'es en train de passer par un chemin que j'ai jamais fait, pourtant j'ai poncé le jeu. Ah! Bah écoute, tu vas comme quoi. Hein. Comme établi par la nouvelle directive, les vieux tunnels sont démolis et leurs entrées condamnées. Le 14 avril 96. Il y a 2 mois. Il faut filer. Ah merde! Ah du coup, j'ai pas. Il me fallait une torche. Ah fuck! Si j'avais une torche, j'aurais pu passer par là. Du coup, je l'ai dans le huc. Je peux rien faire ici. À moins qu'il y ait une torche qui traîne quelque part là, mais bah voilà, j'ai demandé. D'accord. Ah oui d'accord, du coup ça m'amène là. Par contre, à un moment, ce serait bien d'envisager d'éteindre la torche, non? Crocheter. Ah, j'ai pas la compétence de crochetage. Ah, il me manque tellement de trucs en fait. Pas très rassuré. Un truc là-bas au loin. Ah! Bonne ambiance. I don't know what we're gonna do, and our food is almost out. Ah, j'ai rien sur moi, je suis désolé. I hope you do. Oh là là. Ça marche, Japoit, à une prochaine. Et bonne journée. Voilà. Oh bah, GLHF, les bros, hein. Merde, bro. Par contre, tu devrais éviter de mettre ta torche en plein milieu du chemin. Enfin, ta lampe. T'es pas hyper discret. Oh là 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 là, le choix. Le choix terrible. Gauche ou droite. Probablement un chemin safe. Il y a des bruits chelous qui viennent du couloir de droite quand même. Hein. Ça donne envie d'aller voir. Ah oui d'accord. Et no way back. Hein. Encore une fois. Lisez la carte. Ah mais là par contre ça a l'air d'être un peu plus fréquenté. Là il y a des lumières au-dessus des portes et tout là. OMG. OMG, ça a déclenché une alerte. Freedom.
Let's go! Is more important. But there are many others in Petra still looking for it. On est sorti. 86 jours plus tard, les jours des élections. Oh là là. Ah, ils ont brûlé le poste frontière. Incroyable. C'est l'émeute. And their journeys have only just begun. Calcul de l'étape suivante. 24 juin. Dans l'oveillette. C'est n'importe quelle touche. Ah, il y a un épisode 2 ? Really, bro ? Ah, c'est pas fini. Ah oui, on va jusqu'au 9 septembre, en fait. On continue comme ça ? Sur la route. Et épisode 2, la suite. Oh. Ah, puis, ah oui, et du coup, vous êtes perspicace, vous pouvez rallier les gens à votre cause. Les ordinateurs n'ont pas de secret pour vous. Stan et Mitch vous ont donné la combine. Ah, c'est Stan et Mitch qui donnent la compétence de piratage, enfin de crochetage. Porte-bonheur, c'est votre jour de chance. Tous les jets de dés ont 15% de chance de réussite supplémentaire. C'est Sonia qui donne ça, d'accord. Ah, mais Sonia, du coup, je pense qu'elle m'aurait donné ça si j'avais réussi le level 3 du Bonto, du coup. Facilite les interactions avec la police. Fanny l'a oublié. Fanny. On a... C'était qui? C'était la route, non, Fanny? Je sais plus. Passe gouvernementale. Fanny. Recette de Papa Ours. Ah bah oui. Oh, énorme. Énorme, YouTube, ce jeu. Énorme. Énorme. Épisode 2. Est-ce que c'est accessible de suite? Oh, si c'est accessible de suite, on se lance. Hein. Oh ouais. Ah, YouTube, c'est trop bien, ce jeu. C'est beaucoup trop bien. On vous fait des gros bisous. Et puis, bah, écoutez, certainement d'autres épisodes vont arriver dans peu. On va voir si l'épisode 2 fonctionne ou quoi que ce soit. On va voir. Hein. Je sais pas où ça nous mène. On va voir ça. Des bisous, YouTube. À bientôt.